vous êtes des petits curieux. Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans un nouveau Halo News. Vous avez lancé la Master Chief Collection récemment ? Si oui, vous aviez dû vous rendre compte de quelques petits changements. Une mise à jour a été déployée, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Malgré les efforts de 343 Industries, ils se sont fait pirater une année de plus leur serveur. Le coupable, c'est Yap Yap le Destructeur. C'est la deuxième fois qu'il nous fait un Yapning. L'an passé, il s'était attaqué à Halo Wars 2. Mais qu'est-ce qui se passe sur la Master Chief Collection que vous allez me dire? Et vous avez tout à fait raison. Un nouvel écran titre est disponible à son image et il en a profité pour ajouter et modifier plein de modes de jeu. On parle ici de Hit Pop Party, qui est un mode SWAT où un tir dans la tête déclenchera des cris joyeux. Voyez, voyez quoi. On parle ici également de Yapning War Games, qui est une variante du mode Fiesta où des éléments de l'HUD disparaîtront aléatoirement à chaque réapparition. Et il y en a d'autres! Je vous invite à aller voir en description deux articles qui traitent du sujet dans sa globalité. Si je parlais de tout ça, ça serait vraiment beaucoup trop long. Et j'ai surtout peur que si je reste trop à parler du Yapning, le gars prenne le contrôle de la chaîne. Bon, en rapide, la mise à jour apporte également des petites choses, comme des plaques nominatives en plus, de nouveaux écrans de chargement. Bon, bah l'année prochaine, je pirate Battlefield.